Bonjour a tutti e a tous. Aujourd'hui, pour l'espace multiverso de l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nous avons le plaisir de présenter le dernier ouvrage de Renaud Barbaras, L'appartenance vers une cosmologie phénoménologique. L'œuvre a été publiée en 2019 aux éditions Peters et représente l'ensemble de leçons que le philosophe a données en mars 2019 quand il occupait la chaire Mercier à l'Université catholique de Lubin. Il s'agit d'un texte qui joue un rôle très important dans l'économie de la pensée barbarassienne, une pensée qui a toujours visé un véritable renouvellement des structures phénoménologiques pour aborder des questions ontologiques, mais surtout pour dépasser de façon définitive toute forme de dualisme. Selon l'auteur, il faut d'abord penser la corrélation phénoménologique en termes radicaux, c'est-à-dire en termes ontologiques, en tant que parenté ontologique. Cette parenté devient le présupposé de toute gnosiologie et nous permet de dépasser de façon véritable, de façon définitive, la conception d'une conscience comme ayant un statut ontologique privilégié. Selon Barbaras, la conscience n'est plus le pôle d'une corrélation phénoménologique pour lequel il y a un monde qui apparaît, mais elle devient plutôt une modalité de l'apparaître lui-même. De cette façon, on peut considérer que cet ouvrage inaugure une nouvelle saison de la pensée barbarassienne dans ce parcours de ontologisation de la phénoménologie, c'est-à-dire une saison cosmologique, comme le titre l'indique. L'œuvre se développe autour d'une structure quadripartite qui commence avec l'exigence de dépasser la phénoménologie du corps, du Leib et de la chair pour aborder une phénoménologie de l'appartenance en tant que véritable fait fondamental. À partir de cette considération, dans la deuxième partie, Barbaras se focalise sur la possibilité de développer cette phénoménologie de l'appartenance en décrivant et en investiguant ces trois sens pour ensuite envisager le thème central de l'œuvre, c'est-à-dire la description d'une cosmophanie en termes de ontogénèse dynamique par déflagration, en développant une suggestion merleau-pontienne, la suggestion continue dans le visible et l'invisible. Enfin, l'auteur clarifie ses positions phénoménologiques à la lumière de sa réforme cosmologique, en dialogue avec Husserl, mais surtout avec Patočka et les critiques que ce dernier adresse à la phénoménologie orthodoxe et à son subjectivisme. Comme on l'a vu, Barbaras prend son point de départ d'une confrontation avec la phénoménologie traditionnelle en lui reconnaissant le mérite d'avoir proposé une solution au dualisme qui persiste dans la tradition ontologique occidentale. Mais selon l'auteur, la proposition d'une phénoménologie du Leib, qui de par sa nature ambiguë, à la fois percevante et perçue, devrait dépasser le dualisme intériorité-extériorité, conscience-monde, sujet-objet, n'est pas suffisante. Il considère que la proposition merleau-pontienne de la chair, par exemple, selon laquelle le corps s'inscrit dans l'épaisseur de la chair du monde, continue à concevoir l'existence d'une conscience préalable qu'il faut connecter au monde en tant que fragment qu'il faut inscrire dans une étendue, c'est-à-dire le monde conçu encore comme une extension spatiale. Selon Barbaras, cette proposition confirme l'inscription objective et en se proposant comme une solution, en effet, en admet déjà les présupposés du dualisme lui-même. Selon l'auteur, il faut remarquer le caractère quasi évident du corps pour envisager le véritable phénomène originaire, le véritable fait fondamental, c'est-à-dire l'appartenance au monde. Ce passage est représenté dans le texte à travers une formule très efficace selon laquelle on n'appartient pas au monde parce qu'on a un corps, mais on a un corps parce que d'abord on appartient au monde.
À partir de la conception de l'appartenance au monde comme véritable fait fondamental, Barbaras développe cette phénoménologie de l'appartenance en décrivant ses trois sens. Le sens topologique, représenté par le site, traduit l'appartenance au monde en termes de être dans le monde. Mais le site ne représente pas un point spatial, géométrique, mais plutôt un point métaphysique, le point d'adhérence de l'étant en son identité, ce que nous permet une individualisation minimale de l'étant. Par contre, le deuxième sens, le sens ontologique, lie l'expérience d'appartenance au monde en termes de être du monde, représenté par le sol en tant que socle originaire, épaisseur dans laquelle tout étant trouve leur élément vital, leur nourriture. Enfin, le sens phénoménologique, déployé par le lieu, déploie du site et tend vers le sol, en développant cette force phénoménalisante, cette force spatialisante. Pour cette raison, avec la notion de lieu, Barbaras dynamise la phénoménologie de l'appartenance qu'il a décrite de façon isolée pour des raisons analytiques, en démontrant que il s'agit de trois moments d'un seul et même mouvement. L'archi-mouvement du sol vers lui-même, qu'il considère comme archi-événement, car il donne lieu à la pluralité des étants, et comme archi-advènement, car il y a un monde qui a lieu, et le lieu advient en tant que monde. On peut considérer comme Barbaras développe sa réforme cosmologique autour d'un seul et même mouvement que le texte parcourt dans ce deux sens. Le sens de la déflagration et de l'appartenance décrite comme force spéculaire. La force de la déflagration, la force centrifuge qui donne lieu à la pluralité des étants et la force. Et la tendance centripète que de la pluralité des sites tend vers le sol en déployant le lieu. À partir de cette considération, on peut remarquer qu'à la base de cette phénoménologie de l'appartenance, Barbaras considère une ontologie de l'espace en établissant une équivalence selon laquelle le plus de proximité au centre de la déflagration, le plus de pouvoir spatialisant, le plus d'appartenance au monde. Dans cette perspective, la différence parmi les étants n'est plus une différence de nature ontologique, mais elle devient plutôt une différence modale, une différence de degré d'appartenance au monde. On pourrait donc se demander quelle est la place que l'auteur donne au sujet conçu en termes traditionnels, à l'être humain, dans cette vision cosmologique radicalement renouvelée. L'être humain n'a pas la même force spatialisante que les plantes, qui se développent à partir de leur capacité de couvrir le monde avec leurs racines, ni la même force spatialisante que les oiseaux, qui se déploient à partir de leur mouvement quasi-cosmique de migration. Mais l'homme est capable de poésie. Dans la dernière partie de son ouvrage, Barbaras se focalise sur le thème de l'esthétique comme la seule façon de s'interroger sur la profondeur, autre nom qu'on donne à l'exil, à ce éloignement du centre, du socle originaire. À partir de cette considération, on pourrait souligner la conception que Barbaras a du poétique à partir de ses ouvrages précédents en termes de prise en charge de la valeur métaphysique du désir comme conscience de l'exil, de la séparation, du décalage qui est propice à un mouvement de désaloignement du socle originaire. De cette façon, le poétique représente la véritable force spatialisante, phénoménalisante de l'être humain, et donc le primat ontologique
qu'il a perdu serait compensée par une primauté hormonétique. Cette considération pourrait nous rappeler la dernière ligne de la parole d'Anaximandre, où Heidegger fait référence à la tâche de la pensée comme une tâche de poétisation de l'énigme du monde. À partir de ce lien à Anaximandre via Heidegger, j'aimerais demander à l'auteur si au cœur de sa réforme cosmologique, on peut trouver pas seulement une ascendance néoplatonicienne, l'ascendance qui concerne le double mouvement de l'un vers les hypostases et des hypostases vers l'un, mais une ascendance anaximandrienne aussi. On pourrait établir ce parallèle à partir de la conception que Barbaras a de la mort empirique comme renaissance métaphysique. Et donc, à partir de cette comparaison, on pourrait considérer la dikia dont parle Anaximandre en termes barbarassien de exil, de éloignement. Et de cette façon, le rétablissement de la nécessité, l'expiation chez Anaximandre pourrait être lu, selon le lexique barbarassien, comme mouvement phénoménalisant, comme lieu qui tend vers le sol, vers le socle originaire. De cette façon, la nécessité qui semble s'éloigner de l'horizon barbarassien, car la déflagration, selon le philosophe, est contingente, pourrait être considérée, même à l'intérieur de son système de pensée, si conçue en termes heideggeriens d'abandon à l'appartenance au monde. Et le seul élément qui s'opposerait à ce tentative de approcher la pensée barbarassienne à la pensée anaximandrienne serait l'ordre du temps central chez Anaximandre et dérivé d'une ontologie de l'espace chez Barbaras. Je voudrais donc demander à l'auteur si, à propos de la temporalité, on pourrait parler d'une équivalence comme on fait pour et à propos de l'espace, en considérant que la temporalité est une dérivée de l'ontologie de l'espace. J'en profite pour remercier à nouveau l'auteur et pour vous remercier de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets tout d'abord de remercier l'Instituto Italiano per gli Studi Filosofici et Giulia Salzano pour la mise en place de ce beau projet. Je me permets de remercier également M. Renaud Barbaras pour cet important ouvrage. C'est un ouvrage qui s'insère dans la généalogie de la philosophie française. Une philosophie qui, depuis Descartes et la philosophie réflexive, mobilise des questionnements autour du problème de l'âme et du corps, du temps et l'espace, et la conscience et l'histoire. Renaud Barbaras renouvelle avec sa cosmologie à la fois la phénoménologie et le bersonisme, croisé aux uns de cette généalogie, en donnant un nouveau statut à la catégorie de l'espace et une nouvelle formule pour comprendre les fondements du réel, l'être de l'étang. Je me permets ici de poser une question qui n'a pas du tout l'intention de remettre en cause les propos de l'ouvrage, ni de sous-estimer l'élan métaphysique de cette cosmologie naissante. Ma question souhaiterait tout simplement de mettre au point la position de votre ouvrage par rapport à un problème mis en évidence plusieurs fois par les critiques de la phénoménologie. La critique de l'idéalisme ou de la prééminence de la conscience humaine dans les fondements phénoménologiques de l'étang est l'une des critiques les plus répandues quand il s'agit de comprendre les propos phénoménologiques. Vous échappez d'une certaine manière à cette critique, en tant que la phénoménalisation du monde ne serait pas
pour la cosmologie phénoménologique que vous proposez, la distanciation du monde ne serait pas la mise en suspens ou le déracinement du monde. Tout au contraire, la phénoménalisation est comprise ici comme l'inscription ontologique d'un sujet situé topologiquement dans le monde. Dans d'autres termes, plus on appartient au monde, plus on le fait apparaître. La conscience n'est plus donc temporalisation, mais spatialisation. Mais il y a une certaine gradation dans le fait d'appartenir, une certaine gradation au sein du concept d'appartenance de votre livre. Vous décrivez très clairement cette gradation en distinguant l'appartenance de la pierre, de la plante, de l'animal et de l'homme. Une gradation dont les éléments essentiels nous rappellent mutatis mutandis à Aristote, Auclus et Heidegger. Dans les termes de la cosmologie phénoménologique, la pierre est d'abord temporalité. La spatialité paraît comme dérivée, comme défaut. Elle est en effet concentrée. Elle ne se déplace pas. L'animal occupe l'espace et se mobilise sans sortir de lui-même. La plante serait la spatialisation pure, la mobilité pure, car elle est entièrement à l'extérieur d'elle-même. On a donc une gradation dans le fait d'appartenir, dont la pierre occupe la position zéro de l'appartenance. L'homme est ici un homo viator. Il apparaît au monde dans le sens de la mobilité. Et c'est son désir, la raison même de la mobilité. Nous ne sommes pas évidemment dans les cadres du cartésianisme, l'idéalisme ou le transcendantalisme. Cependant, l'homme serait pour vous plus proche du fondement de l'être, du sol, et compris comme déflagration en tant que l'homme appartient à ce mouvement où s'origine tout son être, duquel il est l'expression. Il y a donc une distension et une hiérarchisation dans cette cosmologie. N'y aurait-il pas un présupposé anthropocénique? Même si ce n'est plus la conscience ni les détachements qui vont caractériser une espèce de supériorité de l'homme, le fait qu'il y ait quand même une gradation de l'appartenance n'amènerait-il pas votre cosmologie phénoménologique à être cible des critiques contre l'anthropocène en phénoménologie? Je me permets de faire ici appel au livre d'Agamben, L'Ouvert, L'Aperto, livre dans lequel il reconstruit la gradation ontologique heideggerienne entre la pierre, l'animal et l'homme. Dans ce livre, Agamben interprète cette distinction comme la démonstration de la machine anthropologique qui opère dans la philosophie occidentale et qui essaye de comprendre tout ce qui existe, y compris la vie, surtout la vie, comme dérivée de l'homme. Pour Heidegger, selon Agamben, il y aurait un rapport entre le vivant et le milieu que l'homme suspend grâce à l'expérience de l'ennui qui nous renvoie au néant. L'humain serait le réveil du vivant à son propre être étourdi, une ouverture à un non-ouvert, le néant étant l'imposé du vivant et le non-dévoilé qui devient thématique chez l'homme. Mais en allant plus loin qu'Heidegger, pour Agamben, l'homme pourrait rester simplement vivant et neutraliser la suspension qui lui fait sortir du milieu. C'est-à-dire l'homme pourrait tout simplement laisser être l'animal. Laisser être l'animal pour l'homme signifierait se laisser être dans la zone de non-connaissance, dic non-sens. Signifierait de s'asseoir entre les vivants à l'égalité. Pas du point de vue de la supériorité. Donc, ma question serait la suivante: la phénoménalisation humaine, quoique irréductible, ne peut pas être comprise comme une phénoménalisation différente
des celles d'autres sept-ans dans votre cosmologie phénoménologique, mais une phénoménalisation qui ne serait pas supérieure aux autres types de phénoménalisation. Quelle réponse nous permet d'articuler la cosmologie phénoménologique aux critiques contre la machine anthropologique dans la philosophie occidentale, si c'est l'homme qui, dans la cosmologie phénoménologique, est plus proche du fondement? Plus précisément, la critique agamben à cette machine anthropologique ne s'adresse pas nécessairement à la notion des consciences, ni à la temporalité de celle-ci, mais à la distinction même entre l'homme et le vivant. La cosmologie phénoménologique pourrait-elle radicaliser la non-distinction qui est déjà comprise dans les sols pour donner une réponse à cette possible critique? C'est-à-dire, ce sera possible de penser autrement cette distinction, et pas d'une manière hiérarchisante, c'est-à-dire pas par rapport à la proximité au sol. Finalement, le destin de l'homme via Thor ne serait-il pas au contraire la réconciliation avec le vivant plutôt que la distension. À ce sujet, je me permets de conclure ma question avec la lecture des mots que Jacoté consacre à l'ouverture du Patmos de Hölderlin vers la fin de la clarté de Notre-Dame. Voilà de manière très extraordinaire, réunis en si peu de mots, les deux messagères privilégiées de la poésie, les oiseaux et l'eau vive. Et j'y retrouve le thème du voyageur qui part et qui revient, l'homme vide. Comme si Hölderlin disait pour moi, en ce début de poème, en quelques lignes, en quelques vers, presque tout l'essentiel, me rappelant ce vers avec tout ce que le seul nom des Patmos suscite en moi, dans le souvenir de ces saints gens qui auraient reçu je ne sais plus quelle illumination, pensant à ces montagnes très escarpées, séparées par un abîme, c'est à peine si je ne me sentirais pas tentée de demander à mon tour à la fois une eau innocente et des ailes pour une traversée impensable et pourtant. C'est-à-dire, ce serait possible de concilier une phénoménalisation en tant que mouvement et la possibilité de ne pas faire une possible hiérarchie que la critique de la machine anthropologique pourrait identifier. Merci beaucoup pour votre attention. Je voudrais d'abord remercier Giulia Salzano et Lou Sascarat pour l'initiative de cet entretien et pour les questions qu'elles m'ont posées. Donc, au terme d'une remarquable présentation de mon travail, Giulia Salzano m'interroge sur la place occupée par les sujets. À dire vrai, dans la perspective de mon dernier livre, il n'y a pas de sujet à proprement parler, mais des modes d'appartenance et donc de phénoménalisation. En d'autres termes, tout étant est sujet dès lors qu'il phénoménalise, autrement dit, dès lors qu'il déploie un lieu. Mais d'un autre côté, on peut dire qu'aucun n'est un pur sujet, au sens où l'entend la tradition, car tous appartiennent au monde, tous sont insérés dans le sol. Autrement dit, je renonce à la perspective du sujet, et même d'une certaine façon, tout mon travail est dirigé contre une perspective, quelles qu'en soient d'ailleurs les modalités, qui demeure prisonnière de l'opposition entre un sujet et ce qui ne serait pas lui. Alors, ce mouvement de phénoménalisation, qui est en vérité un événement, l'événement étant le sens le plus profond du mouvement, puisque au fond, c'est un mouvement qui donne lieu. C'est un mouvement, autrement dit, par lequel quelque chose a lieu, c'est un mouvement topophonique. Eh bien, ce mouvement de phénoménalisation, qui encore une fois est un événement, est un mouvement de réduction de la tension entre le site et le sol, et par conséquent un mouvement d'appropriation du sol.
Or, comme vous le suggérez, puisque c'est d'une certaine façon le centre de votre première question au terme donc de cette présentation de mon travail, comme vous le suggérez, la parole est notre modalité dynamique propre. C'est notre mouvement est le seul que nous ayons en propre. Mais en tant que la parole est effectivement un mouvement, comme je l'ai montré et approfondi dans Métaphysique du sentiment, eh bien cette parole, elle se situe dans la ligne des mouvements animaux. Elle est notre manière de nous approprier le sol, elle est notre propre dynamique de relation au sol. Simplement, comme je l'ai montré, la puissance phénoménalisante d'un étang quelconque est absolument corrélative de la profondeur de l'appartenance. C'est parce que nous sommes du monde en un sens plus profond que les autres vivants que nous sommes capables de le dire et pas seulement de nous y rapporter, même si c'est de manière signifiante, comme c'est le cas du comportement animal. Ce point est capital, c'est en ce point que je romps avec la philosophie merleau-pontienne de la chair, puisque je veux montrer que précisément la puissance phénoménalisante, ou disons subjective, qui jusqu'alors avait pour condition de possibilité ou pour condition fondamentale, oui, une séparation du sujet vis-à-vis du monde, et donc une extra-mondanité fondamentale, eh bien, je montre qu'au contraire, la condition de cette puissance phénoménalisante, c'est au contraire l'appartenance au monde. Donc c'est autrement dit en étant radicalement du côté du monde que le sujet est en mesure, le sujet, les étant tous, mais le sujet que nous sommes en particulier, est en mesure de le faire paraître. Et donc le langage représente un degré supérieur d'appropriation, puisqu'il appréhende, pourrait-on dire, la chose selon son sens. Le mouvement animal fait paraître une présence, le langage humain fait paraître un sens, mais bien entendu, le sens est dans la ligne de la présence, puisque d'une certaine façon, dans le comportement animal, la chose est déjà saisie selon un sens, mais un sens vital, proie, prédateur, etc., alors que chez l'homme, elle est véritablement saisie à travers sa propre signification. Mais simplement, ce que j'ai voulu dire, c'est que ce que j'ai voulu montrer, c'est que cette puissance signifiante de ce mouvement qu'on appelle langage n'est possible que parce que l'homme est profondément inséré dans le monde. C'est parce qu'il en est qu'il peut le dire, le rapport de connaissance repose sur un rapport d'être. Simplement, enfin, et c'est ce qui va me permettre de répondre à votre question ou à la dernière partie de votre question concernant le langage poétique, si la radicalité de l'appartenance est bien la raison de notre puissance phénoménalisante, comme je viens de le rappeler. Elle n'en est pas, cette appartenance, pour autant le contenu. Autrement dit, en déployant un monde du sens, qui d'ailleurs s'accomplit sous forme de monde objectif, eh bien, en déployant un monde du sens et un monde objectif, monde qui a tendance à s'autonomiser et à se donner comme le sens d'être même du sol, eh bien, nous occultons la condition et précisément le sol de ce monde. Et c'est en ce sens, et en ce sens seulement, que l'animal est plus près du sol, ou semble plus près du sol, et que nous, quant à nous, paraissons effectivement exilés. Mais ce n'est pas un exil ontologique, c'est un exil qui est la contrepartie du déploiement d'un monde objectif qui nous conduit à nous couper de nos propres racines, parce que ce monde objectif, il s'autonomise par rapport au sol, et il ne se donne plus comme procédant du sol, c'est-à-dire comme un mode de phénoménalisation du sol. Alors que, par exemple, pour l'animal ou la plante, il est clair que le milieu qu'il déploie se donne immédiatement comme un mode de phénoménalisation du sol. C'est ici, et en ce point seulement, qu'intervient le langage poétique, qui apparaît comme une manière de porter le langage à sa propre limite, c'est-à-dire qui fonctionne comme un recours du langage contre lui-même. C'est en quelque sorte une manière pour le langage de sortir de son exil, dont je viens de circonscrire le sens, n'est-ce pas? C'est-à-dire de renouer avec ce qui en est en vérité la source et le sol. Bref, il s'agit de faire passer le hors-langage au sein du langage. Et c'est ici, évidemment, que je me situe dans la continuité du travail que j'ai fait dans Métaphysique du sentiment, qui portait évidemment sur le poétique, hein, qui ne se coïncide pas avec la poésie. Un concept qui vient de Michel Dufresne et qui consistait à montrer évidemment que le poétique était une manière de utiliser le langage contre lui-même pour renouer avec le sol véritable dont procède en vérité ce langage.
Alors, vous évoquez Heidegger. S'il y a une proximité avec Heidegger et à la fin du texte sur Anaximandre, c'est une proximité qui est plus formelle que véritable, car le cadre théorique est très différent. Très différent. D'ailleurs, vous dites que chez Heidegger, la poésie, la tâche de la poésie est de penser l'énigme du monde. Je dirais plutôt que, enfin, vous dites, oui, c'est ça, cela. Et je dirais pour moi plutôt que il s'agit, oui, c'est ça. Vous dites, vous, citant Heidegger, que la tâche de la pensée est une poétisation de l'énigme du monde. Et je dirais, quant à moi, plutôt que la tâche de la poésie est de penser l'énigme du monde. Car précisément, si la tâche de la poésie est de penser l'énigme du monde, c'est dans la mesure où elle est une manière de faire paraître ce sol dont le langage procède et qui l'occulte sous le visage du monde. Quant au rapprochement avec Anaximandre auquel je n'avais pas pensé, pour tout vous dire, il me paraît pertinent, pour autant que nous comprenons quelque chose à la fameuse parole d'Anaximandre. Effectivement, s'il fait jour, quelque chose comme une identité entre cosmologie et ontologie dans laquelle je peux me reconnaître, et il y a bien ici effectivement aussi un double mouvement de sortie de la péronne et de retour, hein, que vous évoquez, qui peut en tout cas formellement apparaître comme homologue à ce que j'ai tenté d'analyser à travers le concept de déflagration. Enfin, sur le temps, oui, vous l'évoquez à la toute fin de votre présentation, il y a pour moi un primat de la spatialité fondamentale qui est enveloppé dans le sens d'être de l'état, en quoi je romps avec évidemment toute une tradition phénoménologique. J'évoque le concept d'ontologie géographique pour dire que être, c'est toujours y être. C'est-à-dire que, effectivement, l'étang a par essence un site. L'y être, le site, est constitutif de l'être de l'étang. Alors il s'ensuit évidemment que la temporalité est dérivée, puisqu'elle naît avec le déploiement du lieu, avec le mouvement de déploiement du lieu, et en ce sens, il est simplement une dimension du mouvement phénoménalisant, alors que le site et la séparation entre le site et le sol est la condition même et le ressort même de ce mouvement phénoménalisant. Alors ça revient à dire, c'est important, que la temporalité a un statut ontologique négatif. Elle est l'expression, puisqu'elle est encore une fois une dimension du mouvement phénoménalisant, elle est l'expression d'une défaite, d'un défaut, d'une séparation, bref, d'un écart entre le site et le sol. Autrement dit, la temporalité est l'expression d'une tension qui est originairement d'ordre spatial ou topologique. Alors, j'en viens maintenant, dans un second temps, aux questions de Luz Ascarat sur ce qu'elle appelle la machine anthropologique et, disons, la critique qu'elle m'adresse, qui consisterait au fond à dire que mon propos est encore finalement anthropocentré. C'est une question évidemment pertinente et difficile, d'ailleurs je ne suis pas sûr d'être en mesure d'y répondre pleinement. Je dirais simplement à titre préalable que peut-être ne peut-on pas éviter une forme d'anthropocentrisme méthodologique, hein, au sens où il faut d'abord reconnaître la difficulté à se défaire, à se décentrer par rapport à notre position, hein, d'être parlant, pensant, etc. Et c'était peut-être la vérité, et sans doute la seule d'ailleurs, de l'anthropologie, de la zoologie privative heideggerienne, pour reprendre la formule de Françoise d'Astur, hein, la fameuse réflexion sur la nécessité de penser le simplement vivant privativement à partir de Dasein, c'était au moins une manière de dire que méthodologiquement, on ne peut pas faire autrement que partir de l'étang que nous sommes pour penser, alors peut-être pas privativement, mais pour penser par décentrement des étangs autres que l'homme, à savoir, en l'occurrence, des vivants. Quoi qu'il en soit, je dirais d'abord que je suis bien obligé de me référer au partage reçu minéral, végétal, animal, homme, ce qui peut donner l'impression que je distingue des régions ontologiques, mais en vérité, c'est une sorte de nécessité de prendre en compte un terrain commun avec mon interlocuteur, parce qu'en vérité, à mes yeux, il y a un primat absolu de l'appartenance, qui est au fond le sens d'être de tout étant. Sur ces différences, ma perspective est celle d'une univocité fondamentale. Et donc, ces partages, hein, sont des relations dérivées et, pour ainsi dire, sinon arbitraires, en tout cas abstraits. Il y a un primat absolument absolu de l'appartenance.
Donc il faut dire, la conséquence immédiate, c'est qu'il n'y a pas de différence ontologique, il n'y a pas d'abîme et même pas de différence ontologique entre l'homme et l'animal. Ce sont deux modalités d'appartenance, bon, évidemment beaucoup plus que deux, puisqu'il n'y a pas l'animal, il y a toutes sortes d'animaux, et puis il y a peut-être différents types d'hommes. Ce sont des vivants, c'est-à-dire des désirants, dans mon vocabulaire, si on entend par désir la tension phénoménalisante vers le sol, c'est-à-dire ce qui est au cœur du mouvement de phénoménalisation, autrement dit de déploiement d'un lieu comme modalité d'appropriation du sol à partir du site. Alors, cela étant dit, il faut ajouter que dans cette perspective, disons, univoque, les seules différences sont modales. Les différences ne peuvent être que modales, c'est-à-dire elles renvoient en effet à un degré de proximité au sol. Simplement, et ça c'est le point qui effectivement fait peut-être problème et qui appellerait dans la suite de mon travail de plus amples précisions, il ne faut pas s'en tenir à une approche trop quantitative de ce degré. C'est ici peut-être que j'ai donné une impression erronée ou l'impression de quelque chose d'insuffisant. On pourrait parler de modalité de proximité, de telle sorte qu'il y aurait, pour ainsi dire, plusieurs manières d'être proche ou éloigné du sol. Autrement dit, les degrés d'appartenance, puisque précisément dans le cadre, dans ce cadre d'une cosmologie univoque, disons, bah, les différences modales ne peuvent être que des différences de degrés de prime abord, eh bien, les degrés d'appartenance donnent en réalité lieu à des modes singuliers de phénoménalisation, hein. Et inversement, ces modes distincts de phénoménalisation peuvent in fine être enracinés dans des degrés d'appartenance. Mais ça n'empêche pas que, si j'ose dire, la quantité de proximité se fait qualité. Et évidemment, là, il faudrait approfondir cela et travailler sur le rapport exact entre le degré d'appartenance et la modalité qualitative sous laquelle il se manifeste. Alors maintenant, concernant l'homme, il est vrai, et c'est évidemment, d'une certaine façon, le cœur de mon travail. Et qui correspond, comme je l'ai montré, à une critique de la tradition phénoménologique et notamment merleau-pontienne. En effet, il n'en reste pas moins que je fais reposer la puissance phénoménalisante de l'homme sur une appartenance plus profonde. C'est-à-dire, c'est vraiment parce que l'homme, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans une perspective subjectiviste, transcendantale, etc., c'est parce que l'homme est radicalement du côté du monde, c'est parce qu'il en est. Loin d'être en face de lui ou distinct de lui, loin qu'il y ait un abîme de sens, comme dit Husserl, entre la conscience et la réalité, eh bien l'homme est radicalement du monde, radicalement de son côté, et c'est dans cette mesure qu'il peut le phénoménaliser et qu'il peut notamment le dire. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, en affirmant cela, je fais droit au fait incontestable du langage et au fait incontestable du déploiement d'un monde objectif par différence avec un homme velt ou un milieu dans le cas de l'animal. Simplement, ce que je dis, c'est que le langage repose sur une proximité ontologique radicale, sur une parenté ontologique, sur une appartenance. Bien, mais constater cela, ce n'est pas encore établir une hiérarchie, hein. C'est établir une différence de mode d'être, une différence dans la manière de se rapporter au sol, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on ne peut pas hiérarchiser entre un rapport linguistique au monde et la proximité que Bergson a thématisé sous le terme d'instinct, entre l'animal et son milieu, et entre l'animal et d'autres vivants. En outre, pour nuancer encore cette impression, enfin, en tout cas pour écarter cette accusation de hiérarchie, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, hein, dans mes réponses aux questions de Giulia Salzano, la proximité cosmologique de l'homme dont je viens de faire état, s'inverse en distance. Dès lors que précisément le langage et le monde de sens et le monde objectif qu'il déploie occultent le sol. De telle sorte que l'appartenance implique un exil, elle se retourne en exil. Et inversement, l'animal, moins profondément inséré dans le sol, dans cette mesure, le phénoménalise d'une façon telle qu'il ne le perd pas et qu'il le fait paraître beaucoup mieux que ne le fait l'homme, qui, encore une fois, est conduit à occulter radicalement ce sol. Donc, d'une certaine façon, il y a une situation de chiasme par laquelle l'homme et l'animal sont deux manières, correspondent à deux manières d'être à la fois près
est loin du sol. Et donc, il devient plus difficile, en tout cas, de s'en tenir à une hiérarchie simple. Alors, ça n'empêche pas que je suis sensible à votre réserve, qui touche effectivement un point problématique, et peut-être ne suis-je pas allé assez loin dans non seulement le dépassement de toute philosophie du sujet, mais dans, effectivement, le dépassement de toute forme de hiérarchie entre ces types d'étangs. Et donc, évidemment, dans la mesure où mon intention est de ressaisir ces différences à partir d'une univocité fondamentale où se brouilleraient les hiérarchies, effectivement, il faudra que je développe encore ce point. En tout cas, je vous remercie infiniment l'une et l'autre pour vos questions tout à fait pertinentes qui m'ont permis peut-être de clarifier quelques points.